Et salut mes petites momies, c'est Théos, on se retrouve pour le deuxième épisode consacré au test de Battle Royale. Aujourd'hui, Test Battleground, alors qui se démarque un petit peu des autres puisqu'on va jouer en mythologie grecque. Donc le jeu est assez joli. Graphiquement, je trouve qu'il est relativement beau. Je pense qu'au terme d'être énorme, on va être très très nombreux. Begone. Ah, ton Athéna est par là. J'ai mis un point, un repère et non, là. Je... Je suis pas au temple d'Athéna parce que j'ai vu qu'il y en avait un autre qui voulait y aller. C'est chiant aussi un peu pour s'habiller, comme vous pouvez voir. On trouve vite du stuff, mais on trouve pas vite des adversaires. On va prendre le grand bâton. Attends, j'ai surtout des armes très très lentes. Ça aurait été cool, ça serait un bouclier. Donc j'en ai une arme qui va taper fort et vite et l'autre qui va taper beaucoup plus lentement. Alors graphiquement il est franchement super beau quoi. Je le trouve très très joli. Mais... on s'y ennuie un peu, hein, on va le dire clairement, on s'y ennuie. On passe plus de temps à chercher du stuff qu'à se battre. Pour moi, c'est pas vraiment ça un Battle Royale. Battle Royale, le but c'est d'avoir le petit dose d'adrénaline, de ne pas savoir quand tu vas tomber sur quelqu'un ou pas. Ben là, je l'ai pas. Je glande, je balade, la zone se réduit mais j'en ai rien à foutre. Ah,
On va quand même aller rejoindre la zone. Des coffres là ou des trucs comme ça, non? Non, c'est juste des décos. En fait, ça ferait un super jeu d'aventure. À mon avis, ils sont plantés quand ils ont mis Battleground. La Battle Royale, pardon. J'aurais dû mettre un petit jeu d'aventure, un petit style Assassin's Creed. Ah, ça se passe toujours la nuit. Ah, la dune, par contre, pour Halloween, est quand même relativement bien faite. Mais... Ouais, quand on croise personne. Ah, j'ai même pas le feeling de me dire putain, je vais me cacher, il y a peut-être un adversaire. Non, non, je balade en plein milieu avec un char, tranquille. Je peux faire sauter mes chevaux, ça sert à rien, mais je suis content, voilà. Et je balade. Les zones se réduisent extrêmement doucement. Naxos, on va voir ce que c'est. Je trouve le jeu sombre et pas vide quoi. Aucun battle royale corps à corps, pourquoi pas. Mais avec 100 personnes quoi, pas 13 vu la taille de la carte. Il y a un petit camp là-bas, on va aller voir. Mais j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment l'impression d'être dans un Assassin's Creed vide. Oh, regarde là-bas, un camp avec des militaires, vite, allons le détruire. On y va, on fouille, il n'y a plus personne. Regardez, un mec que j'ai trouvé. J'ai fait mon premier kill. J'ai fait mon premier kill. Alors, qu'est-ce que j'ai comme casque? Alors, casque du capitaine, on va prendre. Plastron du général, G. Armure des jambes du capitaine, G. Ah, je viens de faire mon premier kill dans ce jeu. Ouais! Mais j'ai même pas la sensation que voilà quoi. Ah! J'en étais à je bois. Voilà. On va prendre des élixirs parce que les élixirs, j'ai bien vu que c'était nécessaire. Oh,
Oh merde, mais envoyez mes armes, putain. Non, mais c'est pas ça que je veux. Ah, je veux récupérer ça. Ouais, donc je viens de faire mon double kill. Mon premier, hein. Mais j'ai pas une sensation encore de ouf, quoi. Je suis content, j'ai trouvé deux personnes. Par contre, bah, le système de loot est pas intuitif. J'ai vraiment l'impression d'être devant un RPG. Ouais, MMO à la limite. Un battle royale où tu passes plus de temps à visiter qu'à te battre, en fait. Waouh, j'ai carrément trouvé le The Casque. The Casque le plus beau. Ouais, je peux avoir un bouclier. Ouais, c'est beau en plus. C'est ça le pire, c'est que c'est super beau. Ouais, je suis dans la zone. Donc là, c'est-à-dire que tout le monde est là, quoi. On est 5. On sait tous qu'on va avoir du super stuff. Je sais que je vais me faire choper par derrière, mais c'est pas grave. Pam 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 pam, je promène. Ouais, il y en a un qui m'a vu là-haut, il tire, mais il s'est pas tiré. On va se cacher dans l'herbe. Chut. Moi aussi je t'ai vu. Ah viens, allez, sois un homme. Moi, je suis au milieu de la zone, hein. Nous sous seuil. Il y en a en bas aussi, puisqu'il y a un cheval en bas. Et voilà, on est 5, je suis au milieu de la zone. Je me cache pas, hein. Je saute, touche, glande. Un mec a essayé de me toucher avec des flèches. Mais voilà. Dans les herbes.
Voilà. Ouais, voilà, c'est un peu la sensation que j'ai, c'est le vide. Eh, viens te battre! Enfin, t'es Kamehameha après. Bah, je m'en branle, je suis dans la zone. Hein. Ah, j'ai plus de flèches, super. Allez, on se bat un peu, putain, c'est un battle royal les mecs, oh, c'est pas... C'est pas la fête du slip là. Hey, c'est du 1v1. Bon bah j'ai fini top 2. Alors clairement ma conclusion sur Battle Royale, on se fait chier. Voilà, on va le dire clairement, on se fait chier, on attend. Il se passe rien, on croise personne, donc pour ma part ça sera un jeu à désinstaller rapidement.